Énergie. Salut tout le monde, merci d'être avec nous. On vous l'avait dit, c'est un moment qu'on aime beaucoup dans cette émission. C'est mettre en avant, Mico, et comme il est comme moi, il est fan aussi, c'est mettre en avant les grands fans, les comédiens, les gens que vous voyez quand vous regardez des séries, enfin surtout que vous entendez souvent, qui sont évidemment comédiens à côté, mais qui mettent leur voix sur des visages. Bonsoir à tous, j'espère bonsoir. Que ça va. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien, on s'est jamais vu, genre que si, nous on se connaît, ouais. On se connaît. Ah bon ? On s'était vu il y a longtemps. Oui, sur notre radio. Il y a des années, ouais. C'était quand ? On était tout petits. Ah oh, ouais. J'ai dit plein de bien tout à l'heure, Dominique, parce que je disais, ce qui est incroyable, c'est qu'elle arrive à faire autant, aidez-moi. Monica. Monica, c'est ce que j'allais dire. Oh, Friends. Autant Monica que Whoopi Goldberg. Alors qu'on est quand même sur des énergies ouais. différentes, ah oui. des personnages complètement différents. Ouais. C'est vrai ça. Mais on est tous multi. Multipass. Oui, c'est vrai, oui. Multimilliardaire. Hélas, non. C'est une question qu'on pourra poser tout à l'heure, parce que c'est vrai que c'est un truc que personne ne sait, ça. Non. Quand on met sa voix et quand on fait un film complet et qu'on est le double à voix, l'interprétation française d'un personnage, ouais. ce que ça donne, personne ne le sait jamais, on en parlera peut-être tout à l'heure. Vous avez entendu cette voix, on dit bonjour à Gilbert qui est avec nous. Bonjour Gilbert Lévy, vous allez bonjour, bien? Bonjour, ouais, ça va, ouais, très bien. Ouais. Énorme. C'est, bon, c'est ma voix, c'est quoi. Bon, c'est voilà, bon. J'ai plus rien, c'est comme ça. Ah, les gars, je suis chez moi. C'est génial. Je suis chez moi, bienvenue Gilbert, on va merci, dire bonjour. Merci de nous accueillir. À Nathalie Carsanti, ça va Nathalie? Bonjour Coué. Ah Nathalie, cette belle voix. T'as vu cette voix un peu quand même. Ouais. C'était comment elle s'appelle celle qui fait Gamora? C'est Zoé. Saldana. Saldana. Oui. Saldana. C'est sa fille de Thanos quand même. Attention. Oui, faut pas la. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Je sais pas comment réagit votre chéri, mais à mon avis, quand t'as la fille de Thanos à la maison, moins verte que dans le film. Oui. Mais attention, la moindre connerie, papa claque des doigts. Et c'est pas plus mal. Et on va dire bonjour également à Alexandre Nguyen. Comment ça va, Alexandre? Bonjour. Bonjour Alexandre. Ouais, ça va bien. Et vous? Il est beau gosse, Alexandre. Ouais, il est beau gosse. Il est beau gosse. Et si vous regardez Viking, donc Ivar le Désossé, c'est toi? Ouais, c'est ça. Le beau gosse aussi. J'adore la pêche. Le truc que t'as mis sur ce personnage. Merci beaucoup, c'est gentil. Non, mais lui, il est pas gentil par contre. Ouais, le personnage, il est pas sympa. Il le devient avec le un temps. Petit peu, oui. Ouais, ouais. Un petit peu, mais. C'est ouais. Que la reconnaît bien. Enfin, il part de loin quand même. Hein. Ah oui, part... ouais, c'est vrai. Non, c'est clair. Il a tué la moitié de sa. Il a tué tout le monde, mais à la fin, il dit oh, finalement, je vais devenir un peu gentil. tu as dit qu'il était beau, Alexandre. Oui. Et moi, t'as rien dit. Non, toi, c'est sexy. Ah, moi, c'est sexy. Voilà. Ça va. J'accepte, tu prends. Allez, je prends. C'est vrai que non, mais parce que il fait Ivar, qui est un personnage beau gosse dans Viking, donc c'est vrai qu'en plus il est beau gosse. Vrai, et Mo, il est pas mal dans les Simpsons. Oui, mais je fais pas que Mo quand même. C'est vrai, non. Alors on va en parler justement, oui. Parce qu'il y a pas mal d'autres choses. Restez avec nous. On revient dans un instant. On est sur Twitch en même temps. On est sur Énergie. À tout de suite. We'll be right back.
And now, ladies and gentlemen, Koé. Nous sommes en live sur Énergie, 19h23. Ce week-end, c'est Halloween et ça n'a aucun rapport avec ce qui va arriver maintenant. Parce que nous avions décidé de mettre en lumière régulièrement des gens que l'on entend, que vous entendez vous tous dans des séries. Et moi, j'adore les voir en vrai. J'adore, je trouve ça génial. Je parle pour toi. Oui, merci. Ah bah voilà, désolé pour vous. Enfin, il y en a pour lui. Enfin, merci. Enfin, c'est pour lui. Allez. C'est pas moi que je l'ai dit, hein. Il y a Gilbert Lévy qui est avec nous. Ça va, Gilbert? Tout se passe bien? Alhamdoulilah. Oui. C'est de l'anglais, hein. Oui, c'est ça. C'est l'espagnol. Oui, ça va très bien. Ça va bien. Alors, mettez bien le micro vers vous, parce que sinon, déjà, je vous vois plus derrière la bonnette en plus, pardon. Parce qu'il était un peu haut. Ah oui, d'accord. Voilà, alors, je disais, plein de personnages dans les Simpsons. Oui. Beaucoup. Oui, j'en fais quelques-uns. Mo, bien sûr. Alors, Mo se fait d'une façon particulière. Hein, oui, il parle comme ça, voilà. Mo, c'est ça. Et il aime bien boire de la dauphin. Bon, mais je fais aussi Willy. Il parle comme ça, Willy. Voilà. Je fais Willy. Non, c'est pas Willy, ça. Willy, c'est le jardinier. Ah, c'est le jardinier, c'est le Willy. Il parle comme ça, Willy. Il parle comme ça. Oui. Voilà. Ouais, ouais. Brûlons-le, hein, monsieur. Oui, voilà, brûlons-le. Voilà. Voilà, enfin bon, j'en fais pas mal. Mais je ne fais pas que les Simpsons. Alors, je tiens à le dire. Ah non, et South Park, et je suis heureux parce que. Alors, dans South Park, vous faites qui? Bon, il y a un personnage que j'aime beaucoup, c'est McKay. C'est pas bien de boire du whisky, vous voyez. Ah, c'est génial. C'est énorme. C'est génial. Et alors, depuis tout à l'heure, je cherchais parce que je me disais mais cette voix, ces mots, je cherchais. C'est aussi, j'ai vérifié hein, parce que c'est Russell Case. Alors, si vous avez vu Independence Day, oui, c'est celui qui pilote l'avion qui est un peu barjo. Le ouf, exact, là. Oui. Oui, oui. Ok, mais c'est celui qui monte. On peut dire la fin d'Independence Day. Hein, oui, se sacrifie quoi. Les gens l'ont vu. C'est celui qui. L'acteur s'appelle Randy Quaid. C'est fait. Ça. Et c'est celui qui monte vers le vaisseau spatial en disant les gars. Il se tue à la fin. Qui va c'est ça, il se sacrifie quoi. Oui, oui. Je l'ai doublé quelques fois, Randy Quaid, deux, trois fois. Oui, oui. Je fais pas que de l'animation. Voilà. Je fais des vrais bonhommes. Oui. Je fais des vrais bonhommes. Des humains. Actuellement, je suis sur la série Fear the Walking Dead. Ouais. Où je fais Daniel. Voilà. Et puis. J'en ai fait d'autres. Il a pris des notes parce qu'il a été là-bas. Non, il va se tromper de côté parce que deux boîtes de choucroute. C'est mes courses pour c'est ce pas soir. La bonne, ça, c'est pas deux, le... Ah ouais, deux boîtes de choucroute. Ah, vous avez lu le... Non, il y a une série que j'avais beaucoup aimée qui s'appelait Le Maître du Haut-Château aussi. Alors ça, on l'a pas vu. C'était une très chouette série sur laquelle j'étais... C'est vrai, c'était quoi? C'était... C'était le truc dystopique, là C'était sur le... C'est pas si la guerre avait tourné autrement, si les Allemands avaient gagné? Exactement, oui, c'est ça. Ah oui, c'est pas mal. Ouais, j'ai vu, ouais. Ouais, c'est pas mal du belle tout. Série. Donc voilà, je fais un peu de tout. Voilà, on va dire que je fais autant de... Il fait le ménage aussi, il fait la cuisine. Striptease Il fait tout. Tout à l'heure, on reparlait de Maïk Dara qui est avec nous. On disait, voilà, la voix de Whoopi Goldberg, la voix de Courteney Cox, la hyène, comment elle s'appelle la hyène dans Le Roi Lion? Shenzi. Elle veut manger Simba. Ouais. Alors quand on, parce que là, on est sur trois personnages différents. Quand on fait la hyène, on la fait comment? Il faut la faire quoi? Il faut faire une voix méchante, une voix mystérieuse, ou faire quoi? Il faut être très méchant. Notre première version qu'on a faite avec Michel Mella, qui fait l'autre hyène, et puis la troisième, elle fait que rigoler. Ouais. Donc, c'est la même dans tous les pays qui rigolent. Eh bien, les Américains ne nous ont pas trouvé assez méchants. Ah bon? Alors, ils ne nous ont pas remplacés. Ils sont gentils, parce qu'ils auraient pu dire... Ils ont dit « faites plus méchants ». Ils sont à chier, prenez-en d'autres. Non, non, pas du tout. Ils n'ont pas dit ça du tout. Ils ont dit « ils sont bien ». Mais alors, pas du tout assez méchants. Alors, on a refait tout le rôle. Méchant. Ouais. Très méchant. Quand on fait, par exemple, quand on fait Courteney Cox, la voix, c'est la plus... C'est quoi? C'est plus léger, oui. C'est plus... Je retourne très loin dans mes souvenirs de l'époque où j'étais un petit peu... pucelle, faut bien dire ça. Ça, on sait pas, on n'était pas là. On sait pas quand c'était, la limite. Non, mais on je veux dire, non, mais je trouvais pas un mot plus poétique, excusez-moi. Donc voilà, très légère, très féminine, très... Rien de masculin en moi, rien de très, très, voilà, maniaque, machin, légère, pucelle, quoi. Voilà. Et Whoopi Goldberg, on est plus énervé. Ah, Whoopi Goldberg, alors là... Au plus grave, déjà, non? Là, je m'en mets déjà quelques paires.
On rajoute. Comme dans la vie. Mais oui, parce que c'est presque masculin, Whoopi Goldberg. Ouais, mais avec beaucoup de tendresse. Ouais. C'est beaucoup vrai, ouais. De tendresse, beaucoup de douceur, même quand elle se fâche. Et moi, j'adore la phase devant la banque, dans Ghost. Oui. Devant la banque quand elle veut. Le chèque, Sortez mon corps. Ah oui, quand elle veut pas donner le chèque. Ah oui, on n'a jamais eu autant dans les mains. Et... Ah oui. Et oui, oui. Alors, j'ai une intervention à gauche. Micro. J'ai réalisé aussi, c'est Viola Davis qui fait la dame qui présente les monstres dans Suicide Squad. Ah oui! Au début. Mais oui, mais carrément. La chef dans Suicide Squad. Oui. Et dans Murder aussi. Extraordinaire comédienne. Extraordinaire comédienne. Gilbert, il découvre à chaque fois. Il fait. Non, parce qu'il me semble que j'étais aussi sur Suicide Squad là. Bon. Il me semble avoir fait un truc là-dessus. Gilbert, je sais plus ce que tu fais. Il me semble, ouais. Je suis pas. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on a travaillé ensemble sur la série Urgence. J'ai dirigé la série Urgence. Et elle avait un rôle important dans la série. Angela Bassett. C'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Non, mais c'est un truc de malade. Ils ont tout fait. Bon, il y a plein de gens qui vous disent bonjour. Il y a plein de gens qui disent bonjour. J'adore votre voix. Rem dans Death Note aussi. Ah oui. Oui. Bah oui, oui. Ils sont très forts. Ils sont très, très forts. Elle m'envoûte, cette voix est magique. Donc les gens aiment tout le monde. Voilà, un énorme bisou. À Nathalie et Gilbert, l'un des deux sera peut-être se souvenir de moi. Un plaisir de les voir face caméra, signé Tim Burton. Vous avez peut-être passé une belle soirée ensemble, je sais pas. Tim Burton. Je sais pas. Ça fait plaisir. Voilà, elle double Amanda Waller dans Suicide Squad, absolument. Mmh. On a. Attendez, je continue. On a Nathalie Kersanti qui est avec nous. Nathalie, elle est marrante parce que je vois passer des messages d'elle sur Insta. Oui! Un jour sur deux, mais même bien avant qu'elle vienne à l'émission. Oui, elle a fait la promo. C'est vrai en plus. Oui, c'est vrai. Elle a fait le job, hein, c'est bien. Ouais, j'ai fait le job. Mais non, mais à chaque fois, elle réagit à nos trucs. Elle suit l'émission. J'adore, d'habitude. Mais j'adore, je suis une vraie fan en fait. Et en fait, un jour, on l'a invité, puis je dis mais c'est marrant parce que cette personne réagit déjà depuis bien avant qu'on l'invite. Oui, c'est vrai. Je suis remonté dans le fil des conversations, je dis mais en fait, comment c'est possible? C'est vrai. Mais il faut continuer, Enfin, on va continuer. Faut continuer, même Gamora. Quand on fait un film comme Avengers, qu'on fait Gamora, c'est dans quelles conditions? Parce que je me dis qu'il y a des choses qui sont peut-être plus faciles. Quand vous faites des fois, vous doublez de la télé. Je me dis que voilà, c'est peut-être. Moins on secret, vous cache moins de choses, c'est moins secret. Mais un Avenger. Ah, pour Gamora, c'est des conditions très privilégiées, parce que déjà, on travaille sur un grand écran de cinéma. Ouais. On a le temps, on a un directeur de plateau qui a vraiment le temps de nous diriger. Je voulais dire que Gilbert est un super directeur de plateau. Ah, oh, t'as vu, à défaut d'être sexy. Oh, alors ça, c'est gentil. Il est parti avec plein de compliments, mais toujours pas sexy. Je crois qu'il va te payer, voilà. Je lui avais dit, je te donne 10 euros si tu le dis. Donc voilà, elle l'a dit. Elle les garde bien. Je les garde. Donc je lui donne. Et donc, Lana, on est très privilégié quand on double les Avengers et les Gardiens de la Galaxie. Oui, forcément. On prend le temps. Et c'est vrai que Gamora est un magnifique personnage que j'ai eu la chance de. Mais alors là, qui est à l'opposé de ce que tu fais, parce que tu as une voix toute douce, sauf qu'elle, elle est tout sauf douce. Mais alors, complètement. En fait, à la base, Zoé Saldana, je ne la double pas du tout. Moi, j'ai une voix très, très douce, donc je double beaucoup de créatures très douces. Les January Jones, les personnages souvent très. Oui, très doux, mais j'ai joué pas mal de timbrés aussi. comme Négarude dans Preacher, etc. Bon, voilà. Mais c'est vrai que quand Hervé Bellon m'a appelé pour me dire, voilà, j'aimerais t'essayer. Alors, sur... comment on l'a fait? Il faut être plus dur, faut être plus... Ah bah, Gamora, c'est une guerrière. Donc je vais dans quelque chose de très grave. Gamora, c'est une guerrière mystérieuse. Un mec qui dit, je suis amoureux hein, pendant que je lis les messages. C'est moi qui vais me taper. Hein. Je suis assez. Donc Gamora, je la prends vraiment dans mes grains. Il y en a un qui dit celle de Saw aussi. Alors Saw, c'est plus ma voix, c'est plus quelque chose de plus aigu, de plus exactement comme dans Juliette, dans Love Actually, que j'ai eu la chance de doubler. J'adore ce film. J'ai beaucoup de tendresse Je connais par cœur ce film. C'est laquelle, Juliette? Juliette, c'est, tu sais, l'histoire culte des pancartes, là, quand le mec, il vient dire à Juliette qu'il l'aime. Mais c'est celle qui fait, qui galoche un peu, là, comment elle s'appelle, c'est... Oui, Keira Knightley. Oh là là, Keira Knightley. Faut bien que je trouve un défaut, mais elle galoche un peu dans le film. Après, elle a fait refaire, mais au début, elle galoche un peu. Keira Knightley. C'est toi qui fais Keira Knightley dans... Oui, donc je fais, là, je prends une voix plus aiguë et je fais, tu veux une petite part de tarte?
Ah, oh, mais c'est. Oh, là, 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 mais... Toi, tu l'aimes bien en plus ce film. Ce film, et je l'ai vu, mais maintenant, je sais que c'est tous les ans, j'adore ce film. Et voilà. Puis après, on vous fera travailler parce qu'on essaiera de vous faire faire des scènes cultes de films qu'on connaît tous. Ouais. Avec des voix de personnages que vous avez fait. C'est un jeu qu'on aime bien faire. On prépare une petite séquence pour la fin de l'émission où Alexandre Nguyen, qui est là, on va lui faire. On va reprendre un extrait de Viking à la fin de l'émission où tu redeviendras Ivar le désossé. Avec plaisir. T'as une putain de voix, toi. Hein, ah, c'est gentil, merci beaucoup. T'as vu, une bonne... et quand il joue Ivar dans Viking, c'est un truc de fou parce qu'il est souvent énervé, ouais. Il est méchant. Il est... Ah, il crie non, beaucoup. C'est pour ça que je disais souvent dans l'émission, c'est pas qu'avoir une belle voix. Bah, il faut être c'est comédien. C'est pas que d'avoir une belle voix, c'est d'être comédien. Parce que t'as une belle voix, si t'es, tu joues comme une poignée de porte. Et lui, quand il fait Ivar, il me bluffe. C'est aussi grâce à José, en fait, José Lucioni, le directeur artistique, parce qu'à la base, pas Ivar, c'est José. De... José, c'est, ouais. C'est la voix de... Ah ouais. Je peux dire que quand il te dirige, tu fais « Non, refais-la !» C'est la voix d'Al Pacino. Okay. Non, fais-la moi comme ça. Ok, pas de souci. Ah ouais. Oh, tu la refais encore. José Lucioni, il frappe. Hein. José, c'était le premier qu'on avait invité, on avait fait une émission avec lui, il voulait pas venir. Non, il voulait pas, ça le saoulait. C'était le regretté Patrick Poivet, qu'on adorait, Patrick, qui lui a dit « Si, vas-y, Koé, son équipe, ils sont cool. » Il vient, il dit « Je te préviens, j'aime pas ça. Voilà. Toutes ces émissions-là, ça me fait chier. C'est la première chose qu'il a dit. Ça m'emmerde. Je reste parce que Patrick m'a dit que c'était bien, mais ça me fait chier. » Et à la fin, on s'est quitté, je pense, vers 23h. Il voulait plus partir. Il était 23h, je dis, il faut que j'y aille. Hein, vraiment. Et même film Petite Olive, tu vois, c'est pour dire comment il sentait bien. Vraiment. Restez avec nous, on revient tout de suite sur Énergie avec tout le monde. C'est Coé. De 15h à 20h, c'est Coé sur Énergie. We'll be right back.
test des célèbres. Je ne vous vois pas quand je vous parle parce qu'il y a une tête de mort. Dans un instant, il y aura des phrases célèbres de films que tout le monde connaît. Redit par nos invités qui sont là dans l'émission. On aura un blind test de voix célèbres. On verra si vous reconnaissez tout le monde. Et sur Twitch, les gens sont très très forts puisque j'étais en train de parler avec Alexandre Nguyen juste avant. Et les gens, ils m'ont dit waouh, c'est Scott McCall de Teen Wolf. McCall de Teen Wolf. Yes. Ouais. Et du fan, hein. C'est ça. C'est bon, Gilbert ? Très bon. Il se fait un kiff avec les Kinder Bueno. Il se fait un kiff. Non, il est au buffet, là. Vous alliez nous offrir le dîner. Non, ouais, alors, on n'a pas dit ça, mais on a dit si vous voulez. Hein. On respecte la parole. Magnifique. On a dit tout ce qu'il y a à manger ici se mange, Gilbert. Mais, faites-vous plaisir. Manger, Scott McCall. Tout ce qu'il y a à manger, hein. Scott McCall. Non, ça se mange pas. La fin de la série Teen Wolf. Mais ils sont comme des fous. Ouais, c'est assez ouf, pour le coup, de voir qu'il y a autant d'engouement sur cette série. C'est chambé. Ah, mais ça a cartonné en plus. C'était sur quoi? C'est sur quoi maintenant, Teen Wolf? On l'a sur quoi? Sur Netflix, non? Oui, je crois que c'est sur Netflix. Ouais, sur Netflix. Je crois que c'est sur Netflix. Restez avec nous. Dans un instant, je vous donnerai le petit texte un peu avant que tout le monde se mette dans la peau du personnage pour refaire les voix. C'est dans quelques minutes. On est de retour. Venez basculer avec nous sur Twitch pour nous parler et voir tous nos invités et voir les visages des voix que vous entendez. Vous bougez pas, Mo? On revient dans un instant? Pas de problème. Non.
1, 2, 1, 2. Ils ont pas de casque, comment tu veux que... Vous m'entendez ou pas? Parce que ça fait une heure que je parle, donc si tu lèves pas la tranche... Non, non, ils entendent pas. Mais tu sais, habituellement, les gens me répondent. Bon, eh ben écoute, tant pis. Hein. Je ne ferai pas profiter les gens de ma douce et belle voix. Ah, s'ils ne m'entendent pas, je peux dire ce que je veux. Ah si, ah oui, d'accord. Ouais, d'accord. J'ai failli dire des conneries. Heureusement que je n'ai pas dit de bêtises. Qu'aurait dit à Jean-Paul, moins de pub. Les amis, est-ce que vous kiffez l'émission? Je croyais qu'il nous faisait marcher. Non, non, pas du tout, parce qu'en fait, il faut que je demande à Jeff... comment tu t'appelles ? Jean-Michel Bichette, de lever la tranche. Et au niveau réel, vidéo aussi, ils doivent commuter un truc, donc c'est pour ça. Hein ? Oui ? T'habites là-bas ? Elle est à Nantes. Ah, ok, ok. C'est la première fois que j'allais à la boule. Moi, Nantes, on l'a... J'ai adoré. Ouais, on l'a fait plusieurs fois, parce que j'ai... Vive Ivar. Alors moi, la vraie découverte aujourd'hui, c'est Gilbert Lévy qui fait la voix de Mo et qui est super sympathique. Et en plus, on a les mêmes origines. On vient à peu près du même endroit. Très très sympa. En vrai, quoi, il parle que Mo et Whoopi. Les deux autres, on les entend quasiment pas. T'inquiète pas, tu vas les entendre. Et c'est un choix, pourquoi là-bas ? Salut Pi 44 390. Oh mon David, Miko, bisous à toi et à Nat. Trop bien l'émission. Il y a plus de pubs que d'émissions. Ouais, j'avoue David. Comment ça va avec Tuciné? Nathalie est géniale dans les gardiens. Nathalie, c'est vrai qu'à chaque fois que quand je choisissais des appartements et tout, je voyais qu'il y avait Nanterre-Ville. Vous pouvez demander s'ils feront des conventions. Oui, je crois. Hein. Le vieux Nanterre, c'est Nanterreville, ou c'est ça ? Vous avez un site chez Boom de Bing ? Ouais, et il y a annoncé les... Ok, alors vous, les amis, vous allez sur un site qui s'appelle Boom de Bing, B-O-O-M-D-U-2-B-I-N-G. Et vous avez les annonces des conventions, de qui est présent, de quel comédien de doublage est présent dans quelle convention. Vous avez toutes les dates, vous avez tout. Boom, dubbing. Tout simplement. Ça devrait être plus souvent, c'est top. On le fait assez régulièrement. Salut Miko, t'es dans ton élément là. Oui, grave. Ouais, j'adore. Moi, je suis un grand, grand fan des comédiens de doublage depuis que je suis tout petit, depuis que je suis gamin. Je crois que le monsieur qui fait Mo dans les Simpsons, il fait aussi un des fantômes dans Casper. Je vais lui demander. Gilbert, tu fais un fantôme dans Casper ? Oui, confirmation. Bravo les gars, vous êtes forts. Hein. Ils sont forts, hein. ils sont à l'affût. Ils confirment. Oui, dans Casper ! Il fait un fantôme. Je suis un des fantômes. Salut PLC Puni. Salut Nick Poul. Voilà, t'es pas en live ? Dites aux comédiens que j'ai vraiment hâte de travailler avec eux dans le monde du doublage de la part de moi, Samuel. C'est ça, Nathalie, il y a David qui t'embrasse, il était dans le chat. Actu Ciné. Il te fait un coucou. Nico, à quand la voix d'Iron Man? Bah disons que je crois que le personnage est mort dans les films, donc à quand un doublage avec la voix de Mopral? Vie, allez, donnez. Le jeune comédien beau gosse double aussi le Renoir dans On My Block, non? Oui, alors on y retourne les amis, c'est reparti. Et on va leur faire dire d'autres trucs. And now, ladies and gentlemen,
l'émission. Je vous présente nos invités. Maïk Dara qui est avec nous, qui est la voix d'Angela Bassett, de Whoopi Goldberg, de Courtney Cox, de la méchantienne dans Le Roi Lion. Comment ça va depuis tout à l'heure? Tout va bien? Ah bah de mieux en mieux. Faut pas que ça s'arrête. Hein, d'accord. Non, ça s'arrêtera pas. Allez, on fait jusqu'à minuit. C'est parti. Ça va pas s'arrêter. Non, stop. Alexandre Nguyen, non, il n'est pas Brandon de l'île de la Tentation. C'est vrai que physiquement, malgré sa ressemble. Coupe de cheveux, même si de dos, ça peut porter à Donnez-moi confusion. Donnez-moi un bâton, va-t'en ma femme. Non, il nous racontait que son banquier l'a pris pour Brandon de l'île de la Tentation. Ah, c'est énorme. De ouf. Ah ouais, c'est ça. Il n'a pas eu le prêt du coup. Et tu lui as dit... Si, justement. Ah, il a eu le prêt, justement. Ah, je ne donne le prêt qu'à Brandon. Je suis Brandon. Je suis Brandon. Ravi. J'assume. J'ai adoré cette île, je vous ai ramené des coquillages. Ah, voilà du sable. On disait Scott McCall dans Teen Wolf, Ivar le désossé dans Viking, le texte est arrivé, on a fait un petit truc. On essaiera de se replonger en Ivar. Va falloir que tu retrouves tes émotions. Hein. Avec plaisir. Parce que je sais que c'est pas facile de faire un personnage quand on n'a pas l'ambiance, l'action, le visuel. Mais là, il va falloir. Tu sais qu'il avait une voix particulière, Ivar. Hein. Et puis il était fou, ouais. Vraiment, ouais. Complètement. Surtout fait écho, c'est ça qui était génial. Vizsla. Ouais, c'est ça, ouais. Et Ryder dans Pat Patrouille. Oui, bonjour. Ah, ici ouais. Ryder de la Pat Patrouille. Ah mais oui, je le dis parce qu'il y a plein de gens qui nous écoutent mais qui oui, ont des enfants tellement. Et c'est important de dire c'est que ça. Ryder de Pat Patrouille est avec nous. C'est vrai. C'est important quand même. Nous avons Nathalie Carcenti qui fait Ravie. Évidemment beaucoup de voix féminines très douces comme Eva Mendes. Oh là là. Très virile comme Gamora dans Les Gardiens de la Galaxie. Il y a un peu de tout. Voilà. Elle est douce, hein, t'as vu comme elle est douce. Ah oui, c'est vrai, c'est adorable. Elle a une voix très douce. Non, Gilbert a l'air de dire non. C'est la voix qui est douce. Hein. Gilbert Lévy, si on a. Je la connais bien, il a que la voix qui est douce. Gilbert Lévy qui en est à son 7e Kinder Bueno avec un taux de glucose qui ne cesse de monter. Il bouffe le plastique. Gilbert nous a dit j'ai plus rien dans les placards mais je viderai tout ce qu'il y a ici. Oui, exactement. On est très contents parce que Gilbert, vous êtes super sympa. Moi, je vous connaissais pas. Ah ouais. Et il y a des gens sur Twitch qui nous ont dit c'est aussi un des fantômes dans Casper. Oui, un des oncles. Ah mais oui. Ouais, ouais. Bah le chef des fantômes, enfin le méchant. Ouais, le méchant, le plus mauvais de tous. Ouais. Qui parle avec et une t'as... voix. Oui, il parle comme ça, je crois. Ouais. Et Gilbert, t'avais joué dans La Vérité si je mens aussi. Aussi, oui, ouais. Mais j'ai tourné aussi. Hein. Il tourne aussi, parce Gilbert. On ne parlait que du doublage. C'est un grand acteur, hein, Gilbert Lévy. Hein. Parce que beaucoup de gens nous appellent des doubleurs. Approchez-vous du micro, Gilbert. Et beaucoup de gens. Ça va comme ça. Si on prenait entre les deux, on est au taquet. Ça va comme ça. Ouais, c'est nickel. Non, il y a beaucoup de gens qui disent ah ouais, c'est un doubleur. Ah, c'est comédien. C'est insupportable. C'est les comédiens. Mais c'est même chez nous tous. Pardon. C'est même plus compliqué parce qu'un comédien. Jamais tu coupes la voix. Excusez-moi, Gilbert. Non, mais un comédien, quelqu'un te donne la réplique. Il y a un décor, un machin. Là, t'es dans une salle face à un écran et il faut donner la même intention. C'est super compliqué. Bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne fait pas que du doublage. Oui. Moi, j'ai tourné aussi pour la télé, pour le cinéma. J'ai tourné avec Arcadie dans deux films. J'ai tourné La Vérité si je mens, Comme les cinq doigts de la main, mariage. Mais attendez, quoi dans La Vérité si je mens? C'est dans le 1, vous êtes à table, non? Ouais, vous parlez du mariage. Ouais, c'est ça, exactement. C'est à la voix, en fait, ça m'a fait... À la fin du film, je suis à table avec la famille. Si, je m'en souviens très bien. Gilbert, tu peux me refiler les 10 euros? Il les a repris. Il les a repris. Bon voilà, non, ce qui est important, c'est que voilà, on ne fait pas que du doublage, on n'est pas des doubleurs, non, on est des comédiens. Il y a SM4128, je vais vous dire un nom de vaisseau spatial, qui dit comme j'aimerais rencontrer Gilbert Lévy. C'est vrai, hein. C'est une fille, elle est belle. Elle est libre. Alors, je vais être honnête sur Twitch, je ne vois pas, je n'ai que les pseudos. On ne sait pas. Tu m'envoies une photo. Il y en a. On verra. Alors, je vous lis tous les messages qui arrivent. Alexandre Nguyen, ma famille d'abord, pour l'interrogation. Ouais, Junior. Ah bah oui, Junior. Ah ouais, junior. Ouvre la porte, d'abord. Ferme la porte, je suis si indécis. C'est vrai, c'est bon, c'est génial. Nathalie a aussi joué dans le film de Jean Rollin, Les deux orphelines vampires avec Brigitte Lahaye. Ouais. Oh, dis donc. Où est-ce qu'on peut le trouver, celui-là? T'as vu? Oula. Il est coquin un peu ou pas? C'est vrai, mais vous vous moquez, mais j'avais eu une très belle appréciation dans Le Monde. Est-ce qu'on se moque? Personne ne se moque. Jamais. Un brin excité peut-être, moqueur certainement pas. On n'a rien dit. Et j'avais eu un petit article dans Le Monde à l'époque où il disait que la scène en bleu était très très belle. Mm-hmm. Que le film était à chier, mais que la scène en bleu était très très belle. Je te cache pas que ce soir, dès que je rentre, je vais sur la scène en bleu. On va tous regarder. Il y a plein de gens qui vous embrassent. Il y a beaucoup de messages. Oui.
Il y a des messages dans tous les sens. Je ne peux pas tout vous lire. Je ne peux pas tout vous lire. Voilà. Gilbert a aussi raconté des histoires de Noël dans un CD qui s'appelle Le Top Tout Petit. Oui, absolument. C'est oui, toute mon enfance. Ça remonte, hein, ça remonte, ça, oui. Et ils me disent que dans le film Casper, tu jouais Crado. Exactement, c'était Crado. Oh, Crado, il s'appelle ? Oui, Crado. Celui qui bouffe tout le temps, là. Tout à fait, c'est Crado. Je m'en souvenais pas, merci. Hein. Et donc, on a commencé, mais il y a toujours des gens qui arrivent en cours de route dans l'émission. On disait aussi que pour nous, dans les Simpsons, c'est, voilà, même s'il fait plein de personnages, c'est Mo. C'est, oui. C'est le responsable du bar. Bah oui, bah, carrément. Tu vois, avec cette voix absolument magique. Donc, il n'a pas trop de sentiments, hein, Mo. Il est Mo, quoi. Voilà, il est Mo. Il est Mo. Attention, voici l'épreuve des textes. C'est pas facile. Vous m'avez fait la mise à jour, mon ami ? Magnifique, je suis très heureux. Voici donc des phrases qui viennent de plein de films. Alors, pour certains, on a dû expliquer de quel film ça venait, parce que tout le monde n'avait pas la référence, qui peut se comprendre. Hein. Gilbert Lévy, en mots, extrait de Taxi Driver. Donc, on remplace... De Niro. On remplace De Niro par la voix de Mo dans Taxi Driver. Ouais, ça sera beaucoup mieux que De Niro. Enfin bon. C'est à moi que tu parles ? C'est à moi que tu parles ? C'est à moi que tu parles ? Alors, à qui est-ce que tu parles ? T'en vois un autre que moi ici ? J'en vois pas d'autre que moi ici. À qui tu parles ? Alors, tu vas le dire, oui ou non ? Bravo. Naïk Dara en Shenzi la hyène. Dans l'extrait de Nos Jours Heureux. Oh là. Ça okay. Non, allez, c'est la version courte. Je d'accord, okay, même ouais, pas oui. Cet extrait. Allez. Allez, allez. Je veux plus rien voir traîner. On se sort les doigts du cul. Très bien, Alexandre. En Ivar le désossé, dans la scène des Tuches. Et moi, c'est Tuche, avec un T. Comme t'es là. T'es là ou t'es pas là ? T'es pas là ? Bah où c'est que t'es ? Où c'est que t'es ? T'es pas là ? T'es pas là ? Où c'est que t'es ? Ah, t'es là ! T'es là ou t'es pas là ? Avec un T comme Tuche ! Comme t'es là ! Tuche, t'es là ! Il a fait flipper ! Ouais, énorme. Nathalie Carcenti en Eva Mendes va devenir de Miss Itinéris dans Mission Cléopâtre. Là, on me voit. Là, on me voit plus. On me voit ? On me voit plus. On me voit un peu. On me voit plus. On me voit. J'adore, bravo. Gilbert Lévy, Mackay, South Park, pour la phrase de OSS 117. C'est marrant. C'est toujours les nazis qui ont le mauvais rôle, mon Voldemort. Nous sommes en 1955, Herr Bramard. On peut avoir une deuxième chance. Merci, mon Voldemort. Naïk Dara, en maman de Black Panther, mais oui, bien sûr, on a oublié la maman de Black Panther. Bah, on disait la scène. Pour la scène, oui, c'est ah ça, oui, pour ouais. La scène des bronzés font du ski. C'est difficile, ça. Surtout, je sais pas faire du ski. Mais bon. Alors, attendez, Black Panther, maman, Ramonda, Angela Bassett, ok. Check-up. J'en peux plus. La neige. Elle est trop molle pour moi. C'est tout, il n'y a que ça. Non, c'est ça, c'est exactement ça. Ça dans les bronzés. C'est parfait. Pas vous rallonger la scène, moi, ils l'ont fait. Dialogue de la Cité de la Peur. Alors voilà, on va faire un truc à plusieurs. Alexandre nous fait Rider de Pas de Patrouille pour le début. Même Carcenti en Gamora. Et Alexandre reprend pour la suite. Là, vous êtes à trois, vous allez vite voir de quelle scène on parle dans la Cité de la Peur. Vous voulez un whisky ? Juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord ? C'est horrible, c'est un peu vicieux. T'as vu quand tu fais Gamora comme d'un seul coup, bam ! C'est plus la même. J'aime ce moment. Il y a plein de gens qui vous embrassent sur Twitch. C'est un truc incroyable. Si on parle des projets, bah, allez-y, on va faire le tour de tout le monde. Parce que des fois, vous avez peut-être un truc à dire. Si on le dit pas, après, vous allez dire. On l'a pas dit. Il manquera un petit quelque chose. Gilbert, est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive dans les semaines qui viennent que vous voulez annoncer ? Il est où le 7 novembre ? Un striptease, Gilbert, ton striptease. Il est où le 7 novembre ? Le 7 novembre ? Qu'est-ce qu'il y a le 7 Je sais pas si vous qui me l'avez dit il y a 3 minutes. Le 7 novembre ? Vous n'êtes pas à une convention ?
Ah oui, oui, oui. Le dimanche 7 novembre après-midi, mais oui, bien sûr. Ben oui, oui c'est oui. Où, c'est où? Bah, porte de... Je sais pas tout le plan de Paris, Gilbert. Hein. Versailles. Paris Manga Show? Oui, ce dimanche? Non, le 7 novembre. .com, voilà. Eh bien, c'est dit. C'est un beau projet aussi. Mais tout est... Nathalie. Alors moi, je viens de doubler un très, très beau film qui a été primé à la Mostra de Venise, qui sortira sur Netflix. Donc, ah, mais je ne peux pas en parler pour le moment. Ah, d'accord. Beaucoup de cachotterie quand même. Et sinon, j'ai toujours ma chaîne YouTube, NKTV. Ah, tu fais des trucs vachement bien sur ta chaîne. Merci Nico. Mais oui, donc, elle part à l'encontre de plein de gens du doublage. Ouais. J'invite beaucoup mes camarades. Voilà, alors, c'était suite justement à une rencontre avec Lucie Dolen, qui m'avait parlé de Marilyn Monroe. C'était la voix de Blanche-Neige, Lucie Dolen. Ah, wow, ah, ouais. Ah oui. Ouais. Et elle m'avait parlé de Marilyn Monroe et je m'étais dit, mais mince, il faut absolument faire une émission sur ses voix. Quoi. Mais c'est génial. Et donc j'ai créé Il était une voix il y a très longtemps. Et depuis, je crée plein d'autres programmes. Et donc, je vous invite à venir voir NKTV. Non, on va aller regarder. Ah non, mais c'est vraiment top. Merci. C'est cool. On ira faire un tour sur NKTV. Merci pour ta gentillesse. Ouais, merci. Alexandrine Guyenne. Bah, moi, c'est pareil. Sèche coiffure, quel est le secret? Parce que avec Gilbert, on s'est posé il y a deux minutes. Et avec Gilbert, on s'est dit une chevelure pareille, quel est le secret? Parce comment que nous, on a raté un épisode à un moment donné. On a raté un soin. On a raté un soin. Peut-être même deux. Y a-t-il un secret? Y a-t-il une. Non, pas spécialement. Je sais pas. C'est naturel. Génétique. C'est la génétique, merci c'est papa, comme merci ça partout, maman. C'est comme ça en bas aussi. Ouais. J'ai même des nattes et tout. C'est mais ça tient chaud au moins. Tu vois avant de terminer, on lui a donné le texte. On lui a donné le texte de. Vous avez déjà vu Gilbert quand il fait Ivar le désossé dans Viking. Vous n'avez pas vu? Non, je crois faut que vous regardiez Viking. D'ailleurs, il est extraordinaire. Grosse perf, ouais. Mais moi, je le connais bien, on a bossé ensemble. On travaille depuis que j'ai. Quoi, 14 ans? Bah oui, 14 ans. Tenais depuis. T'as commencé si jeune? Ouais, j'ai commencé. J'avais 6 ans. J'ai tourné dans un film. C'était et en fait, quoi? Je me suis Les Anges Gardiens avec Depardieu et Clavier. C'est un vieux oui, film. Bah ah, oui, carrément. Le film épileptique, ouais. Épileptique. Ah ouais, t'as pas vu comme il est monté plan sur plan. Ah oui, c'est demi seconde par séquence. Je sais pas si tu te souviens, il y avait un petit garçon. Oui. Qui était le fils. Bah c'est moi en fait. Ok. Voilà. Ok, c'est ok. Ça. Et en fait, je me suis doublé en anglais et je suis tombé sur une période où ils cherchaient plein de gamins. Ah c'est énorme. Et puis voilà. Ouais, donc je connais. Les enfants ont le droit de faire du doublage. Je pensais que c'était des. Oui. Ah, non, d'accord. Oui. Ok. Non, oui, oui. Il faut qu'il y ait un accord d'une. Ouais, il y a un accord de la DAS. Ok, ok. Oui, oui. C'est ça. Ah non, c'est intéressant. Moi, je pensais que c'était que des adultes qui. Non. Ok. Voilà. Maintenant, moment de gênance. Merci Miko. Voilà, si la DAS débarque, je demande à ce qu'on ferme la porte. Bien, foutu la merde. Quel âge tu as? J'ai 34 ans. 34 ans. Il y a une tête de gamin, t'as vu? Je fais bah super oui, jeune. C'est ouf. C'est un truc de fou. C'est le et, là, Gilbert, et là, Gilbert va me dire, t'as pas dit ça pour moi. C'est ça. Me le dire. T'as pas dit ça pour moi. Alors attention, replongeons-nous dans Viking. Il est Ivar le désossé. Voici la scène. Alors, lui-même, il faut qu'il se replonge dedans parce que c'est pas le même personnage. Qui parmi vous se joindra à moi? Qui est prêt à m'accompagner dans la bataille? Qui veut trouver la renommée et sa place auprès d'Odin, notre père à tous? Oui! Oui! Ne dis rien, Sigurd. En toute franchise, je me moque de ton avis. La vérité, c'est que je ne voudrais même pas te pisser dans la gorge si tes poumons étaient ravagés par le feu. Et toi, Bjorn? Tu refuses de préserver l'unité de notre armée. Oui, c'est toi qui préfères te chauffer au soleil de ces pays lointains. Tous les autres guerriers peuvent se joindre à moi. Sigurd, tout ce que tu sais faire, c'est jouer tes petites balades. Et je commence à douter de ta légitimité auprès de Ragnar. Car si j'ai bon souvenir,
Il ne jouait pas du loud, et je ne suis pas sûr que lui n'offrait pas son cul à d'autres hommes. Alors, on était à fond. J'étais à deux doigts d'aller me prendre des pop-corns. Ah ouais, Gilbert, il allait se reprendre un 7e Kinder Bueno. Il m'a donné envie. Hein. Il m'a donné envie. Faut regarder pour la route, Gilbert. Oui. Vous oui. En balance, c'est cadeau. Un, oui. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Bravo à toi, merci, merci à vous tous d'avoir été avec nous ce soir. Je sais pas où on en est, il y a plein de gens qui laissent des messages, qui disent bravo, énorme, 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 énorme. Bravo à vous tous, on vous merci, embrasse fort, on va revenir à la Belgique, merci. On t'embrasse mon petit Mike. Salut Mike. Bisous mon coé, bisous toute l'équipe, à demain. Bisous Mike. On était en Belgique. Salut Mike. Bisous mon pote. Ciao, ciao. Ça va Louis, tout en pleine forme pour ce soir? Mais oui, on a Imagine Dragons avec nous à partir de 22h. Eh ben dis donc. Oh, eh ben dis donc, oui, mais est-ce qu'ils font la voix de mots? Ah non. Eh ben voilà. Alors d'ailleurs, je tiens à dire que j'étais choqué. J'étais dans le studio et ça m'a rappelé plein de trucs. Ah, vu ? Pourquoi choqué ? Dans mais le bon parce sens. Que, mais parce qu'on a. Non, heureux, heureux. Oui, heureux. Heureux. Mais, j'ai tellement regardé d'épisodes des Simpsons, c'est trop déstabilisant d'entendre cette voix. Ah d'accord, merci. Voilà. C'est en positif. Mais tais-toi. Non, 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 tu l'as pas dit en positif. Mec, il fout la merde, non, non. On te connaît, Louis. Hein. On est d'accord. Hein. Il a dit un peu en mode, je suis choqué. Ah oui, mais c'est choquant. Il se rattrape après, mais voilà. Le mal est fait. Non, 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 non. Et je suis sûr que j'étais pas le seul à écouter. Tous ceux qui étaient dans la voiture ont dû être choqués aussi. Salut, bonne soirée mon pote. Ouais, merci bonne à vous soirée tous. Mon pote. Ouais. Merci Mo. Attendez. C'est Mo qui va terminer l'émission disant, rapprochez-vous du micro, en disant que le bar est fermé. En mots. Le bar est fermé, désolé. Coé revient demain dès 15h sur Énergie.